Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans... Les Trucs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit révolutionnaire. Vous êtes un beau garçon ou une femme sulfureuse? Et vous en avez marre que les filles elles mettent leur gros lolo sur votre visage comme ça, et que vous, les filles, les garçons, ben, ils arrêtent pas d'enlever le... Vous en avez marre? Eh bien, découvrez... L'antiviol! Alors ça ressemble un peu à un antivol d'ailleurs, c'est presque pareil. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'antiviol? Eh ben, l'antiviol, c'est l'invention qui permet de ne plus se faire violer. Exactement! Grâce à l'antiviol, vous pourrez dorénavant sortir en boîte de nuit ou aller au travail librement, en pouvant mettre des barésies, des guêpières, des gros décolletés... Voilà, et puis vous, si vous êtes un garçon, juste en slip avec un petit nœud pape mignon et un petit peu d'huile pour faire bronzer les... Enfin, bronzer, avoir les pecs qui... Pour aller sur la plage... À Monaco. Bref, grâce à l'antiviol, vivez librement. Alors comment ça marche l'antiviol? Eh bien c'est très simple, l'antiviol se fixe sur la tête, comme ceci, ce qui vous donne un look plutôt futuriste, avant-gardiste. Et vous avez remarqué que l'antiviol est équipé de capteurs. Alors, capteurs. On les met où ces capteurs, Gaël? Dans le cul. Presque. Une fois le casque posé sur votre tête, vous devez fixer ces capteurs sur les différentes parties de votre corps. Les tétés, les fesses et le kiki, soit les parties les plus convoitées de votre anatomie en cas de viol. Et ensuite, Matt? Ah bah ensuite, t'as qu'à... Je sais pas, tu peux essayer de me violer pour voir, enfin si ça marche, je sais pas. Arrête! Arrête! Mais putain! Mais tu... Arrête! Oh, oh! C'est bon là! T'étais pas obligé de demander pour du vrai! Mais je bande pas, c'était mon téléphone portable! Gaël, ton téléphone n'arrête pas de sonner en loge. Merci. Et le mieux est ceux qui en parlent. Voici maintenant les témoignages! Oui, les témoignages. Vous vous rendez compte, avec l'antiviol, j'aurais pu devenir président! Putain, mais président de la République quand même, hein! Dans notre métier, c'est bien et c'est pas bien, pour être honnête. Ça nous évite des procès et des problèmes, c'est sûr. Mais bon, au niveau d'IMAT, après, c'est un peu relou. De bien beaux témoignages. Ah oui. Alors, Matt, la question que tout le monde se pose, combien coûte l'antiviol? Eh bien, écoutez, l'antiviol est très abordable. Comptez 56 euros pour le tout équipé, comptez 30 euros si vous voulez pas de la sirène, parce que bon, bah ça fait un peu trop de bruit, et 10 euros si vous enlevez le gyrophare. Attends, mais ça sert à rien s'il n'y a pas la sirène et le gyrophare. J'aime bien le... Les mettre comme ça, un petit peu là. Ah, et du coup, existe-t-il un modèle pour enfants? Le voici! Ah, oh, trop mignon avec les petites gommettes! Puis bah, imaginez par exemple qu'il est dans la rue, qu'il sort de l'école et qu'il voit ces fameux monsieur qui traînent devant les écoles avec les grands impairs. Voilà. Et les petits bonbons. Et là, boum! Voilà, hop, ça se déclenche. De la même manière que pour la version adulte, c'est pareil. C'est pareil quoi. Mais il marche beaucoup moins bien! Non, c'est juste que, voilà, c'est une version plus petite, et puis... Enfin, au moins, on s'entend parler, quoi. Hein? L'autre... Voilà, c'est tout pour les trucs aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des trucs où on vous montrera des... Trucs!